Alors, prenons la leçon sur segment, milieu d'un segment et l'exercice 5, page 93. On vous demande d'observer cette figure et de nommer tous les segments. Donc, je rappelle que les segments, ça s'écrit avec un crochet, comme dans l'exercice par exemple ici, un crochet pour ouvrir les lettres et un crochet pour fermer. Sinon, entre parenthèses, ce sont des droites. Donc, dans cet exercice-là, les segments. Alors, on a AB, DB, CB, mais on a aussi DA, DC, et on a même AC, qui est coupé par un point, mais ça n'a pas d'importance. Le segment AC est un segment bien clair parce qu'il s'arrête au point d'intersection qui est dessiné sur la figure. Voilà, donc si tu regardes bien, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 segments que l'on a bien inscrits entre des crochets.